Et salut les amis, c'est Pipo. Donc on se retrouve aujourd'hui encore sur A Plague Tale pour l'épisode 9, donc dans l'ombre des remparts. Donc alors que la Macula gagne du terrain dans le sang d'Hugo, Lucas se sent impuissant à aider le petit. Il a besoin de savoir que renferme un livre rare caché dans l'université de la ville voisine. Donc j'ai pas eu le temps de lire le reste, mais si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez où on en est. Donc après avoir trouvé un QG, on a un nouveau plan d'attaque pour aider Hugo. Mais donc, la tête, c'est pas plus rapide. On y va, c'est parti. T'es vraiment trop Go gentil. L'université. Chut, c'est bon, on est arrivé. C'est beau, dis donc. Donc cette fois, très intéressant, je trouve, c'est qu'il n'y a pas le gamin, donc... Ça risque d'y avoir un gameplay différent avec la fille. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là... Les rats aussi. Alors il y a... Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Sacrée ambiance, hein. Franchement. Tu le connaissais? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Ah merde. Il était bon. Alors c'est ça le châtiment des voleurs? La mort? Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens. Ouais. Allons-y. Tu m'étonnes, John. Bravo l'ambiance. Mélie, je t'ouvre ça et je file m'occuper d'Arthur. D'accord. Oh putain, on va se séparer carrément. En fait, c'est où l'université? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Oh génial. Je peux pas le rater. Est-ce que tu penses qu'on se reverra? J'espère bien. Tu m'es redevable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai de mon mieux. Voilà. C'est mignon. Allez. Il s'aime bien. Passe. Allez, merci. Good luck. Bonne chance. Toi aussi. J'ai mis aller dans les recoins, désolé. Mais... Ils savent qu'ils vont mourir s'ils restent ici, mais je crois qu'ils s'en iraient d'eux-mêmes. Allez, viens. On doit faire partir les derniers. T'inquiète pas, va, on a presque fini. La ville est à nous, on va pouvoir accélérer les opérations. Quelle opération, il parle, le coquin? C'est Arthur. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Vas-y, si je peux pas améliorer des trucs, je vais fabriquer un peu parce que... Ah, je m'embrouille, pardon. Tac, au moins ça. Ah, mais j'ai toujours un pot sur moi. Je sais pas où on va, mais on y va. Wow. Wow. Là-bas, ça doit être l'université. Putain, elle est grande cette ville. Cette lumière, j'aime pas ça. Rien à ramasser. Bon. C'est vrai que c'est pas tout près. J'avoue, c'est super loin. Allez, Amicia. Hé, toi, là-dedans! T'es un des derniers, alors sors de là, ou on vient te chercher! D'accord, nous arrivons! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui mijote? Bon. Olé, j'ai fait le plein. Voilà, je peux fabriquer quelque chose, non? Toujours pas. Ok. Je vais avoir envie d'explorer partout, là. Non, on peut pas leur parler. Fabriquer un petit peu. Voilà, l'histoire d'avoir un peu de tout. Attention. Dernier appel. Sur ordre du grand inquisiteur Vitalis, la loi martiale est instaurée et la ville sous contrôle.
contrôle de l'Inquisition. Toute personne encore présente en ces lieux sera arrêtée et exécutée. Ah, carrément, quoi. La loi martiale ? C'est incroyable. Pourquoi faire ça maintenant ? On va prendre un bâton, je sais pas pourquoi. Mais je sens que ça va servir. Hop. Merde, c'est un cul-de-sac. J'y vais au culot. Ça a bougé par là, je suis pas fou. Je l'ai vu que trop tard, mon gars, c'était chaud. Ça passe. Putain. Va essayer de pocher les trucs et que c'est rat dans les pattes. C'est au pillard. Le moine écarlate vient au chaud au bastion. Et tous les autres font comme moi. Je vais jeter un coup d'œil. Mais donc ça, moi je veux pas être mêlé à tes rapines. Ok. Alors ça va être quoi le plan là? On la tire ici. J'ai compris. Va falloir passer la tire derrière. Oh, ils sont tout près de mon cul. Petit caillou. Hop. C'est bruit. Ça venait de là-bas. Dis-moi que tu m'as pas vu, c'est bon. Pas le risque que je me casse. Oh, y a la pression dans la ville là. Oh, des chevaux morts et tout là. Pourquoi ils ont fait ça là? On va se faire massacre. Et les affaires de Baba. T'as vu ce qu'ils font aux gens? On doit partir. Si l'Inquisition nous prend. Il n'y a pas que l'Inquisition en fait. C'est partout comme ça. Allez, on descend. Et on avance vers l'université. Poule morte, une poule vivante. Non, moi je suis encore en vie. Putain, je me suis fait bouffer la jambe. Allez, rentre là-dedans et reste-y sagement. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mon mari. C'était ton mari. Il est condamné. Fiche le camp. Pas tout. Quelle horreur. Je ne peux pas partir sans lui. Affaire. La loi martiale, tu connais. Tu veux crever avant lui? Ah merde. Il a raison, Anna. C'est contagieux. Reste pas là. Pardon. Tire-toi, maintenant. Ah bon. Faut que j'aille voir ce que c'est. Hey. Ah.
Ça dégage. Gentil les rats, gentil. Ah, une tisseuse. Au moins je l'aurais vengé. Oh putain, c'est un gamin quoi. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Toujours pas assez pour faire des améliorations. Allez, on continue. Après avoir tué un mec. Ils les ont tous exécutés. Oh, ça fait longtemps qu'il est là, lui, parce que squelette comme ça, là, je pense que c'est pas du jour au lendemain que tu te transformes comme ça. Bon, à mon avis, on va croiser Mélie à un moment donné. Est fermé. Ah, cette ambiance. Laisse tomber quoi. Ok. Il y a trop de rats là-dessous. Je passerai pas sans les distraire. Ok, j'ai compris. Tiens, cette violence. Ça suffit pour le moment. On va voir ça. Allez, Alicia, wow. Accroche-toi. Waouh, waouh, waouh. C'est la fosse aura, quoi. Ça va être chaud, là, non? Alors, attends, comment je passe, là? Bah, me repère, là, si je balance des... Non? Bon, écoute, on va essayer. Il m'a vu. Qu'est-ce qui va se passer? Salopard. C'est encore vous qui foutez le bordel, c'est ça? Mon gars, c'est passé? Il revient. Vas-y, je retourne dans le trou, tant pis. Ah, des queues. Tu nous vois pas. Allez, file. Oh, c'est passé. Il y a rien. C'était chaud. Hein. Et autant il fallait que j'y aille, je suis en train de calculer que... Ouais, je vais, à mon avis, il faut que je... Il faut que je passe quelque part par là.
Non. Ah mais c'était là, pardon. Attends pour moi. On se fout encore de moi. Hop, on y va. Sur quoi je... Oh. Oh. Oh, c'est poisseux. Oh. Fidèle à ma foi. Je dois être fidèle à ma foi. Oh putain, ils font peur les rats. Ok, on va faire un peu de ça. Tac. Tout va bien, tout va bien. Il est complexe celui-là de niveau là. Non, rien. Y a rien du tout. Alors, il se passe encore quelque chose là-bas. Allons regarder. Hop, on s'arrache. Ça va, c'était facile. Ouh. J'ai cru que j'y arriverais pas. Ouais, moi aussi. Oh, j'oublierai jamais cette odeur. Ouais. Oh, dans la fosse là. Oh, c'était horrible. Bah, c'est horrible. Ça me désole de voir ça, dites donc. L'université. Tu vois. Allez, Amicia, continue comme ça. On se rapproche. Le cimetière. Il est sur le chemin. Ouais, génial. J'ai vraiment pas envie de passer par là. Tu m'étonnes, John. Mais il était là. Allez, il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Alors. Ça vient de l'Inquisition. Ça doit pivoter. Ouais, pas mal. Efficace. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. Pas con, pas con. Hop, hop. Ouah, j'ai flippé. Ah, voilà, je peux faire quelque chose. Ça va me simplifier la vie. La fronde ne fait plus de bruit. Ah oui. Effectivement, c'est pas mal. Ça, il faut le développer, ça. Tu peux tuer tout le monde en silence, quoi, au calme. Allez, quoi, donne-moi au moins quelques pièces. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as bien quelque chose ? Un truc précieux ! Hé ! Hé ! C'est toi ! Ça t'apprendra. Qu'est-ce qu'il a fait en fait ? D'accord. Oh oh ! Une fenêtre, parfait. Ouah, c'est la première fois que j'ai vu aussi chaud, quoi. Allez, poussez-vous. Ne restons pas là. Ouais. Allons dans le cimetière, c'est tellement mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Maître, voici l'épisanguis. Ah, voyons ça. Parfait. J'ai une question. On sait que ça vient des rats, mais à quoi ça sert ?
Nous appelons cela Odorus. Oh. Ah. C'est un des nombreux effets de l'épisanguis lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais ça appelle les rats. On ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça. On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épisanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs... Comment pourrais-je dire ? Des accidents regrettables. Apportez ça au bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul de jatte. Ça le fait marrer. Ça le fait marrer. De l'épisanguis ? Qu'est-ce que c'est ? Je dois voir ça. Ils sont partis. Allez, c'est juste un cimetière. Waouh, c'est glauque. Oh, encore des morts. Tu m'étonnes qu'il y ait des petits problèmes de maladie. Ça tire les rats à l'endroit d'impact du projectile pour un court instant. Ok. J'ai quoi là comme pouvoir ? C'est celui-là que je veux. Genre là-bas là. Ça marche ! Ça va me sauver la vie. Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi. J'avoue. L'effet ne dure pas longtemps. Ah, ça dure pas longtemps. Améliorer Non, on a des nouvelles améliorations. Et c'est la folie. Franchement, plus d'avance dans le jeu, plus t'es content quoi. Alors, du coup, si j'en balance c'est bon. Putain, j'y suis allé au culo. Quelque chose en plus là-bas. Là-bas, on dirait la sortie. Allez, j'y suis presque. Ok. Bon, il faut que je la fabrique encore, mais est-ce qu'il m'en reste ? Ah oui, ça va, j'en ai encore. Go ! Je dois trouver quelque chose pour me hisser. J'ai réussi à tous les tuer en fin de compte. Je sais même pas pourquoi j'utilise ça. Pourquoi j'ai eu chaud. Hein. Oh my god, arrêtez. Hop. Alors, on va essayer d'aller récupérer ça. Ok, donc là, je les ai coincés de ce côté. Ah, attends. J'ai compris ce qu'il faut faire, non ? Ouais, c'est ça. Donc, par contre, je dois les coincer une fois pour toutes. Ça les motive pas au point de passer la lumière.
que un rat peut me tuer. C'est bon, ouais. Tu dois les coincer. On se promène. C'est mieux que ma mon truc que j'ai fait juste avant, hein. Allez, dis-moi que tu roules encore. Hop. Mais m'aura bien fait galérer ce niveau là, dis donc. Oh. Oh non. Ça passe. C'était vraiment très discret. Ouais, c'est pas faux. Bien, plus qu'à la déplacer. Allez, go. Enfin. Ouh. Tu vois, tu t'en sors. Tu t'en sors bien, même. On a connu mieux, mais bon. On s'en est sorti, effectivement. On fait le plein. On peut améliorer quelque chose. Non. Allez, on continue. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est bien lugubre. Ah, oh, putain, carrément, les dogs et tout. Ouh, c'était un carnage. J'y suis presque. Lucas, t'as intérêt à exister, ton livre. Oh, cette violence. Je ne conseille pas ce jeu aux plus jeunes. Oh, c'est pire. Mon Dieu. Ils ont massacré tous les malades. Ah. Oh, les rats, ils ont lâché les rats. Aidez-moi. Je peux rien faire. Je suis désolée. Quelle horreur. Ah ouais, ils ont lâché les rats, quoi. C'est pas possible. Sans... Ils ont utilisé les rats contre les malades. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps? L'odoris. Je pourrais essayer. Une fois au bastion, ils vous donneront une bonne raison de crier, vous verrez. On a des artistes du couteau. Tu attrapes. Ça a marché. Ça marche bien, même. Pourquoi? Parce que c'est trop tard pour vous. On appelle ça la clémence. Mais rassure-toi. Quoi? Hey, oh merde. Arrête de plus balancer dans l'eau. Ils finissent tous de l'autre côté. Bon. Je peux plus patrouiller là-bas, tellement. Oh, tellement pas plus. C'est un bruit. Il est par là, non? Bon, désolé mon gros, j'ai pas le choix. Il était trop costaud lui. Fallait tenter. Du coup, ils vont rester sur un cadavre. Ah ouais, il faut que je récupère les ressources un peu. Ça fait peur. Ah bah du coup je peux passer. Même pas fait exprès. Pourquoi ils sont encore là? Les pissenlits, les cages. C'est pas une simple évacuation. Ah non. On va tous tomber malades à rester ici. On se passera le mal les uns aux autres. Jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule! T'as pas fini de chialer? Je veux plus t'entendre. Pas un mot. Je trace, apparemment, on peut se casser. Ah. On va tenter l'expérience quand même. Y a lumière, non, mais... Je suis pas dingue.
Oui, il peut plus venir. Pourquoi il a pu revenir au calme, lui? Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. On va le tuer comme ça. Ça recommence. En fait, il fallait juste déplacer la lumière. Qu'à ramasser. Alors. Genre jusque là-bas, ça marche? J'ai entendu quelque chose par là. Bon, c'est pas grave, on va le faire à l'ancienne. Il me reste un truc spécial dodo. Bougez pas, ça sera vite terminé. C'est passé, par contre, je suis un peu dans le feu. Putain, j'ai réussi à faire un bug. Vous êtes sérieux, les gars? Ouh! Bah, premier bug du jeu. Bon, bah. Dernier point de passage. Génial! Allez, c'est pas grave. C'est quoi ça? Ah, cette fois, on se met pas derrière le feu. Tout ça pour pas grand chose, j'ai l'impression. On va les bloquer au cas où. Qu'ils aient pas envie de revenir, quoi. Hop. Par contre, j'ai envie de voir ce qu'il y avait derrière là-bas. Ces chariots d'alchimistes, il doit y avoir des choses utiles dedans. Eh ouais, grave. Et bim. Ben voilà. Allez, on fait le pling. On fait le pling. Chose encore apparemment. Eh ben c'est bien glauque encore. Je savais bien que qu'il fallait passer par là. Allez, on trace. Pas top quand même, hein, on a connu mieux. C'est un cauchemar. Allez, courage. L'université ne doit plus être très loin. Eh ben, je suis pas sûr qu'ils aient l'eau potable ici, je te le dis, quoi.
Ah, on y est. Vitalis, le boucher qui a tué mon père travaille pour toi. Son sang est aussi sur tes mains. Le temps. C'est quoi ce boucan? Dégage. C'est pas ça que je voulais. Ouais, pourquoi il fait le tour de ce côté ? Alors, il va falloir que je fasse autrement. Je vois rien de bizarre ici. Yes! Allez au suivant. Allez, dégage. J'ai pas le temps, j'en ai marre, vous m'avez gavé là. Ah, ça n'a pas marché. Bon, allez, on va dire que ça passe. Ouf, c'était chaud. On a réussi, les gars. Oui, enfin. Si vous voulez bien me faire l'honneur, la vache. Hop. Mais enfin, qu'est-ce qui se trame ici? Du calme. Ils sont un peu arrogants, c'est sûr. Mais eux, au moins, ils savent lire. Ça leur donne pas le droit d'être cons. Tiens, il y en a un qui disait que Vitalis. On savait que ça allait arriver. Nous devons prier. On savait que le grand inquisiteur était souffrant, mais là... Et trop de gens lui ont tourné le dos malgré ce qu'il fait pour nous. C'est un saint, mon frère. Un saint. Hey, il a l'air d'avoir pas mal d'objets là-bas. Mais bon, les rats, je pense pas qu'ils viennent jusque-là. Je vais même pas prendre le risque. Ah.
Et voilà les amis, ben on a enfin fini donc l'épisode 9. Donc il était assez long, il était difficile, il était lugubre. On a traversé une ville horrible. Donc on a quand même réussi donc à arriver à cette fameuse bibliothèque en espérant trouver ce livre et bah savoir ce qui va se passer parce qu'apparemment il y a des sous-fifres là de l'inquisiteur là. Donc on va voir. Donc à la suite dans un prochain épisode. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. 3-4. Et ça y est, c'est terminé. Donc j'espère que t'as kiffé. Si c'est cas, mets un pouce bleu. Et ensuite va t'abonner. Pour ça suffit de cliquer sur le logo de la chaîne. Donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hi-ha! Woohoo!